Bonjour. Я Виктор Викторович Василевский, полковник 7-го стрелкового полка российской армии, объявляю от имени моего президента Владимира Владимировича Путина о немедленном вторжении в вашу страну, великой России. Moi, Виктор Викторович Василевский, colonel du 7e régiment d'infanterie de l'armée russe, annonce au nom de mon président Vladimir Vladimirovich Poutine l'invasion immédiate de votre pays par la Grande Russie. Ah oui, non. Ok, non, non, alors, écoutez, vous êtes trompés, messieurs. L'Ukraine, c'est à 2000 km sur la droite, là-bas. Non, c'est vous que nous venons envahir. Nous? Mais vous pouvez pas nous envahir, on est la Suisse. Чем ты собираешься заняться? Tu vas faire quoi? Mais on est neutre. Roulade. R-O-U-L-A-D-E-S. Oh non. On est venu. Ça fait comme ça fait deux fois, donc je vais prendre la grosse tête. L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Non, mais faut vous calmer, je comprends rien là. Ah ouais. Comment ça à nos portes? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, la Russie? Ah, on a un autre, il manquerait plus que ça alors. Bah oui, oui, je regarde mes mails, oui. Attendez. C'est sous quoi? Invasion russe? Ah oui? Oh putain. Madame la conseillère fédérale est occupée. Ce que je comprends pas bien, c'est que on est neutre. Donc je vois vraiment pas pourquoi ils voudraient nous faire ça. Oui, c'est exactement ce que je dis, oui. Alors, selon nos gens sur place, ce serait parce qu'on est riche, qu'on a une place géographique centrale en Europe et qu'on est super prenable. Super prenable. Franchement, manque pas de souffle. Mais on est neutre. Monsieur le Président... Oui, oui. Mais toi, c'était pas l'année dernière? Ah oui, pardon, j'oublie. Et moi, c'est dans 3 mois, c'est ça? Oui, je crois. Donc c'est moi? Non, c'est moi. Madame la conseillère fédérale, nous vous écoutons. Madame la présidente, en tant que conseillère fédérale en charge du département de la défense, je pense que la situation actuelle ne nous laisse pas d'autre choix que celui de faire intervenir l'armée suisse. C'est des habitants contre l'armée russe. Alors, on aurait besoin de vous pour faire tomber Vladimir Poutine. Oui, 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 tout à fait. Je ferme la boulangerie et puis j'arrive. Hein, voilà. T'as fait l'armée, toi? Non. Et toi? Oui. Oh. À l'attaque. Ouais. Leur émissaire nous laisse 48 heures pour nous rendre, sans quoi ils entreront de force. Non, mais on peut pas rendre une décision comme ça. Oui. On doit informer le Parlement qui doit lever une commission, puis une sous-commission multipartite pour réfléchir à la question. Il faut déjà que le Parlement valide la création de ces commissions. Bien sûr. Et il faut aussi consulter les cantons. Bien sûr. Et les communes. Bien sûr. Et il faut pas oublier le risque de référendum. Bon. Lançons un référendum urgent sur lequel le peuple et les cantons voteront dans 2 semaines. Ça vous va? Oui. Ouais. Attendez, on a 48 heures, c'est ça? Ouais. Est-ce que 2 semaines, ça rentre dans 48 heures? Pas sûr. C'est quoi nos options, alors? Italien et philo? Non, oh, Francis, c'est vraiment pas le moment. Je sais l'Union Européenne. Bonne idée. Oui, allô?
Mmh. Et... Et... Ah, voilà, ouais. Mmh. 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 Eh ben, allez bien vous faire enculer. Ils nous redisent. Mais économiquement, il y a bien un truc qu'on peut faire pour eux, non ? Il est vrai que nous pourrions proposer à Vladimir Poutine une formule d'hébergement financier à des conditions préférentielles qui pourraient être absolument avantageuses pour ses actifs et la Russie en général. Mais ? Mais c'est déjà le cas, donc... Donc voilà. Bon, les autres, la santé ? Bon, on vaccine. Justice et police ? Ok, la formation ? Je pense qu'il faut apprendre le russe. Oh non, c'est moche, et puis j'ai déjà dû apprendre le suisse allemand, moi. On peut pas leur envoyer Federer ? Avec des chocolats, une marmotte ? Paraît qu'il est vraiment très sympa. Enfin, on va pas l'embêter pour ça, on est le gouvernement suisse, on n'est pas Shania Twain. Je l'ai vu une fois à Bâle. Shania Twain ? Federer ! Oh ! Bon, puisqu'il faut tout faire soi-même ici, en tant que présidente de la Confédération et conseillère fédérale en charge des transports, je vais prendre la seule et unique décision qui s'impose. Train de nuit pour Barcelone ou bien ? Yes ! Allez ! Toutou ! C'est déjà fou hein, qu'on ait tenu 700 ans. Mais oui, c'était tip-top.